Depuis 2014, Vent d'espoir œuvre auprès des personnes atteintes d'un traumatisme crânien ou d'une déficience motrice, ainsi qu'auprès de leurs proches. Depuis l'ouverture de notre centre de jour en 2017, Vent d'espoir a offert plus de 400 jours d'activité à ces personnes et près de 2500 heures de répit à leurs proches. Mais malgré tout, la situation est loin d'être idéale. Chaque année, en Montérégie-Ouest, près de 50 familles doivent apprendre à vivre avec le traumatisme crânien d'un de leurs proches. À l'heure actuelle, il n'existe aucune ressource résidentielle spécialisée pour ces personnes et elles se retrouvent trop souvent en CHSLD. Une personne sur 10 vivant en CHSLD a moins de 65 ans. Cela représente 3500 personnes au Québec, dont 550 en Montérégie. D'ici 2022, Vent d'espoir va inaugurer un complexe multifonctionnel, la 9e Maison Martin-Matte, entièrement adapté aux besoins des personnes atteintes de traumatisme crânien et de leurs familles. Il s'agira du premier du genre à Montérégie-Ouest. La portion logement du bâtiment comptera 32 appartements locatifs adaptés. Le complexe comptera aussi des chambres de répit temporaire, un centre d'activité, une salle d'entraînement physique adaptée et un bassin thérapeutique. Mon fils, Patrick, âgé de 42 ans, a subi un traumatisme crânien et vit en CHSLD depuis 13 ans. Nous attendons tous ce complexe avec impatience. Les jeunes de notre région, comme mon fils, n'auront plus à vivre en CHSLD. Ils verront leur bien-être et leur autonomie grandement améliorés. Les familles seront soutenues et accompagnées. Ce projet aura un impact concret et très positif pour tous. Pour financer ce projet, Vent d'espoir lance une campagne majeure de 5 millions de dollars, entourée de partenaires et de donateurs visionnaires. Pour Desjardins, contribuer à bâtir une société solidaire, c'est enrichir la vie des personnes, notamment visant l'inclusion et l'épanouissement de tous. Pour nous, chez Cougar Energy, c'est aussi d'assurer d'améliorer continuellement le bien-être de nos familles, de nos amis, de nos employés, pour l'ensemble de notre région. Nous sommes ensemble pour ce projet porteur d'espoir. Donnons pour la réalisation du complexe multifonctionnel de Vent d'espoir.